salut à tous les amis. Grand moment attendu aujourd'hui. Je suis à Decathlon Cestas, Capperlam, vous voyez ici. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous pour une vidéo qu'il n'y a jamais eu sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec les concepteurs, les ingénieurs de chez Decathlon. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux carnassiers, les cannes, les moulinets, les leurres, les secrets. Qu'est-ce qu'ils prévoient de faire par la suite? Car ils commencent à rivaliser effectivement avec les grandes marques dans ce monde de la pêche. Bonjour Quentin. Salut David. Voilà. Ça va? Ça va et toi? Impeccable, merci. Bon. Et là aujourd'hui je suis avec Quentin. Quentin qui est Marc Goutte. Ouais. Voilà. Ça. Qui est. Donc quelle est ta fonction? Moi je suis community manager pour Capperlam et j'ai en charge les réseaux sociaux de la pêche aux leurres en eau douce pour l'instant. D'accord. On va aller rentrer un petit peu au cœur des secrets de Capperlam. On va essayer de découvrir un peu tout ça, ouais. On va essayer de c'est, le but ça, de la, voilà. C'est le but de la demi-journée. Donc, je vais avoir rendez-vous avec les ingénieurs, les concepteurs. C'est ça, tu es le premier à qui on ouvre nos locaux pour une vidéo extérieure. J'ai hâte de découvrir tout ça. Eh bien allez, voilà. C'est parti, on y va. C'est parti, allez on y va. Là j'ai rendez-vous avec Thibaut. Bonjour Thibaut. Salut. Alors Thibaut, toi, c'est quoi ton métier ici? Mon métier ici, c'est ingénieur produit sur les moulinets. Ouais. Donc mon travail, c'est à la fois de développer les modèles Capperlam qu'on sort et également de les tester pour s'assurer de la qualité de nos produits. Bienvenue au Labo Moulinet. La première machine qui est un dynamomètre. Et c'est une machine assez polyvalente qu'on va utiliser pour caractériser, notamment mesurer les forces et les efforts qui s'appliquent sur le moulinet. Pour pas ici. Donc ça, c'est le test de frein. On a aussi, avec cette machine qui est assez polyvalente, la possibilité de mesurer le couple, la douceur de rotation, en fait, quel couple est nécessaire pour faire tourner la manivelle. Ici, on a une machine qui nous sert à mesurer les jeux sur les moulinets. Donc, l'idée, c'est de venir brider le moulinet pour l'empêcher de bouger avec différents montages. Et une fois qu'on est assuré que le moulinet ne peut plus bouger, on va pouvoir venir avec un comparateur numérique mesurer différents jeux. Et une fois qu'on a fait le vieillissement, on vient également mesurer les jeux une seconde fois pour vérifier en fait l'évolution de ce jeu et vérifier que ça soit toujours dans une plage qui soit acceptable. Donc ici on a aussi une partie métrologie. La métrologie c'est un ensemble d'outils qui vont nous permettre de mesurer à la fois des poids, des distances précisément, des couples. Hop, donc ici, on a une machine qu'on appelle un puits de chute. Ah ouais, c'est une cage en verre. C'est une guillotine à mouliner. C'est une guillotine à mouliner. C'est la guillotine. Quoi. Si tu veux, je peux te faire un petit exemple. Moi, perso, là, je ne mettrai pas ma tête. Hein. Voilà. C'est la guillotine à mouliner. On mesure à quelle hauteur on vient la monter, ouais. Précisément par rapport au zéro qui est fait sur le moulinet. Mmh. On connaît son poids. Et on va dire qu'en négligeant les frottements, on va pouvoir en fait savoir avec quelle énergie on vient impacter le moulinet. Le moulinet. C'est sécurisé, donc il faut une formation pour utiliser cette machine. Ouais, je me doute. Ouais. L'idée, c'est hop, on enlève une sécurité, on a plusieurs sécurités, on va venir fermer la porte. En cas de projection. Tu vas me faire une démonstration. Je te fais une petite démo. Ouais. Ah ouais, alors ça. Aïe aïe. Alors là, tu enlèves la sécurité. La sécurité, on ferme la porte. Ouais, c'est très important. Ça, c'est obligatoire pour les éclats. Au cas où, ouais, exactement. Ouais. Ensuite, on va venir monter la traverse. Avec un petit treuil. C'est génial. Un petit treuil. On la monte à la hauteur désirée. Là, c'est plutôt haut. Hein, donc, je donne pas cher. On pas cher de vie. Ouais. C'est dommage, j'aurais pu le. Il y a une deuxième partie qui est une partie plutôt statique. L'idée, c'est de venir fixer le moulinet sur des portes moulinets dans différentes orientations, ouais. En fonction de ce qu'on veut mesurer, ouais. Et de venir y suspendre des poids dessus. Ah, ouais.
De 5 kg en 5 kg. 5 kg, ah ouais, d'accord. Voilà, après, on peut ajuster avec des poids supplémentaires. Par exemple, venir s'assurer que le pick-up va venir résister à l'arrachement avec X kilos appliqués sur lui, de s'assurer que l'axe par exemple du moulinet ne torde pas quand il est soumis à je sais pas 20 kilos de force par exemple, s'assurer que le pied du moulinet ne casse pas. Un crash test. Voilà. Donc ici on a une machine qui est faite pour tester l'endurance des pick-ups. Donc l'idée c'est de venir monter un moulinet sur la machine. Et la machine pneumatique, elle va venir ouvrir le pick-up du moulinet et le refermer en faisant tourner la manivelle. D'accord. L'idée, c'est de s'assurer de la longévité du pick-up. L'idée, c'est que c'est une machine un peu d'essai où parfois, quand on développe un nouveau type de moulinet ou qu'on a l'idée d'un nouveau test pour venir caractériser quelque chose sur le moulinet, on va venir faire des essais. Machine de bricolage. Très important, c'est une machine qui nous permet de faire vieillir les engrenages. L'idée, c'est de venir suspendre un poids. Donc derrière, on ne voit pas, mais il y a des poids qui sont attachés à un fil à l'arrière. Et on vient attacher ce poids sur la bobine du moulinet. Grâce à des moteurs, on va pouvoir venir faire tourner la manivelle. Donc il va y avoir une force qui va s'exercer comme si on tenait, un gros poisson. Et continuellement, c'est ça. Pour voir le vieillissement. On va venir faire plusieurs centaines de milliers de tours pour représenter des années et des années d'usage en un peu plus d'une semaine. Et puis, on a un troisième moteur qui, lui, en fonction du montage, il va venir permettre de faire vieillir les cliqueurs des bobines. Oui. L'idée, c'est de s'assurer qu'après tant et tant de tours de bobines, le cliqueur fonctionne toujours. Donc, on programme le nombre de cycles qu'on veut lancer. Et là, c'est mon moteur numéro 1. Donc, je le lance. J'ai un moteur qui vient entraîner la manivelle, qui me fait tourner le moulinet. On a le poids qui est suspendu derrière. Et donc, on vient représenter, en fait, on vient faire vieillir l'engrenage grâce à ça de manière très mature. Combien d'années d'études, Thibaut, là ? Combien d'années d'études, pourquoi ? Toi. Moi ? Oui. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, donc 5 ans d'années d'études. Oui. J'ai fait un double diplôme en Irlande, où j'ai fait aussi ingénieur mécanique en Irlande. Ici, on a une machine qui nous permet de faire vieillir les freins des moulinets. Donc, l'idée, ça va être de venir placer un moulinet sur la machine. On va avoir toujours l'axe de la manivelle qui va être entraîné par un moteur. On a un second moteur qui va venir entraîner une bobine de fil, simplement une réserve de fil. Entre les deux, on a de quoi mesurer la tension du fil pour contrôler la tension. On a des couplemètres aussi. Mais bon. L'idée, en fait, pour faire simple, c'est de placer du fil sur le moulinet, de le dérouler, l'enrouler, le dérouler, l'enrouler, le dérouler. On repart sur le dynamo et là, on va à nouveau tester la progressivité, la linéarité, la force de frein maximum. Donc, on vérifie performance initiale, on fait vieillir. Et ensuite, on va vérifier ensuite, la performance. Tu reviens à la machine de départ qu'on a vue au début. Ouais, et on vérifie à nouveau les performances du frein. En tout cas, la baisse de performance, elle doit être limitée. En vrai. Chez Decathlon, on a la chance de pouvoir aussi collecter les moulinets défectueux que nos clients nous ramènent. Oui. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut les commander, ils peuvent arriver ici, et on va pouvoir venir les analyser, les ouvrir. Pour voir qu'est-ce qui potentiellement a posé problème, qu'est-ce qui a cassé. Donc, Et là, ici. Et là, ici, quand on reçoit ces moulinets défectueux, parfois il y a des pièces qui sont quand même encore bonnes. Donc on va venir faire un petit stock tampon où on vient en fait récupérer les pièces qui sont encore bonnes. On a quelques pièces. On a une liste de stockage avec les protos en cours de développement. Aujourd'hui, non. Mais vous verrez ce qui arrive bientôt. Tous les tests ne sont pas faits ici. Il y en a quelques-uns qui sont externalisés dans des labos. Je pense notamment à deux tests. Le premier, c'est des tests en brouillard salin. Donc l'idée, c'est de placer le moulinet dans une machine avec un brouillard d'eau salée et de venir faire vieillir le moulinet, faire tourner la manivelle au sel. Avec du sel. Une machine qui nous permet de venir placer des bobines de fil dessus. On va pouvoir faire passer le fil à travers un ensemble de poids
pour venir contrôler la tension sur le fil et ensuite venir mesurer quelle distance de fil on vient mettre sur la bobine. Et en dessous, on a des poids et voilà, avec un système de poulies, on va pouvoir venir appliquer plus ou moins de tension dans la ligne. Qui nous sert à faire vieillir les engrenages des moulinets casting. Donc c'est un petit peu la même idée que celle que je t'ai présentée un peu avant sur les spinning. Oui. Sauf que là, on vient appliquer le couple sur la bobine d'une autre manière avec un frein magnétique qui est relié au moulinet avec une courroie. Comment on a des castings ? Les castings, je ne vais pas vous rappeler que c'est essentiel de bien régler ses freins pour ne pas faire de perruque. Ça, c'est plus qu'essentiel. Donc, l'idée de cette machine, c'est de venir mesurer la performance du frein. On va venir entraîner la bobine à une vitesse de rotation très élevée qui représente en fait la vitesse maximum lors d'un lancer. Donc on fait ça avec de l'air comprimé et une espèce de petite turbine qu'on vient monter sur la bobine. Donc on souffle de l'air sur la turbine, on entraîne la bobine à une vitesse élevée qui représente la vitesse du maximum du lancer initialement. Et ensuite on va pouvoir venir régler les freins et mesurer la vitesse de décélération de la bobine pour derrière faire des protocoles de test pour tester les performances de nos freins, si tu veux. Ah ouais. L'idée de cette machine, c'est aussi de faire vieillir les engrenages, mais de manière un peu plus contrôlée que celle que je t'ai montrée tout à l'heure. Ici, c'est une machine qui nous permet d'appliquer un couple sur le rotor du moulinet. Donc, hop, je te montre ça. On monte le moulinet là-dedans et on va l'entraîner par un moteur qui est situé à l'arrière. Mais l'idée avec cette machine, c'est de faire vieillir les moulinets pendant beaucoup plus longtemps avec un effort un peu plus faible que l'autre machine que je t'ai présentée avant. L'idée, c'est de représenter le fait qu'on ramène un leurre pendant des heures et des heures. Ça fait penser à un coureur de fond. Et un coureur du 100 mètres. Ouais, là, on a le coureur de fond. Et là-bas, on a le coureur du 100 mètres. Le coureur du 100 mètres, mais l'haltérophile qui va tirer une grosse charge pendant pas longtemps. Pendant pas longtemps, ouais. C'est ça. Donc, on va la faire tourner, cette machine. Allez. L'idée, c'est de programmer le nombre de cycles qu'on veut faire tourner le moulinet. On va pouvoir venir lancer. Dernière machine. Le bon vieillissement des moulinets. Donc, ça, c'est une machine très polyvalente qui est contrôlée sur 5 axes. L'idée, c'est de déplacer la tête qui est située là-bas et de la programmer une fois pour faire le déplacement qu'on souhaite. Pour par exemple faire venir vieillir le pick-up, par exemple venir ouvrir le pick-up avec le doigt et le fermer avec la manivelle. Et répéter ce cycle, ensuite, le nombre de fois qu'on désire. Une fois qu'on a programmé quel mouvement on veut faire, on va pouvoir le faire répéter le nombre de fois qu'on veut. Donc là, ça va être, par exemple, ouvrir le pick-up et le fermer en faisant tourner la manivelle ou le fermer manuellement en venant le claquer. Voilà. C'est le tour complet du moulinet C'est très utile pour faire vieillir les moulinets et même d'autres produits que nos collègues peuvent développer. Merci Thibaut. Merci à toi. Maintenant, je vais rejoindre Maël. Maël, tu es spécialiste dans les canapèches. Voilà. C'est ça. Voilà, pour Caperlan. Voilà, donc ingénieur comme Thibaut, ouais. Toi, c'est dans les cannes. Voilà, c'est ça. Vu que l'atelier canne est en travaux, donc je suis avec Maël. Je suis dans l'atelier commun où il va me présenter les cannes, le concept, c'est la même chose, à part qu'on n'est pas dans l'atelier vraiment canne, car il est en travaux. On va voir ça tout de suite. Moi, je travaille dans une équipe déjà de plusieurs personnes, où on est
On est une petite dizaine, ça dépend les natures de produits, mais voilà. Il y a un chef de produit, bon, c'est de lui que va naître en fait le poster d'offre, on appelle ça. Donc du coup, on a un chef de produit qui va définir l'offre globale, pour les cannes à pêche. Donc c'est lui qui va nous pousser le nombre de projets qu'on va devoir développer pour une implantation en 2025 par exemple. Donc moi, je vais être l'ingénieur produit et je vais travailler main dans la mer avec plusieurs personnes, dont un designer. Et ensuite, il y aura une autre personne en charge du graphisme. Pour une canne, on va dire les couleurs et les formes des différents marquages, stickers qu'on va retrouver sur la canne. Et moi, du coup, mon job, ça va plutôt être de définir la partie structurelle du produit et la faisabilité industrielle. Donc moi, je vais principalement travailler sur dans ce qu'on appelle le blanc, donc ça va être la tige en carbone, donc là les deux tiges en carbone qui composent en fait, qui sont la structure de la canne à pêche. Là, pour définir la bonne action de la canne, les matériaux qu'on veut utiliser, on va jouer beaucoup sur les qualités, on va dire, des matériaux qu'on utilise et le prix en fonction du prix cible de vente du produit. Voilà. Et les blancs ? D'où ils viennent ? On a quelques modèles qui sont réalisés en Europe, voilà, en Italie. Mais voilà, après, une grosse majorité, on va dire 90%, vient des pays asiatiques. D'accord. Voilà. On va plutôt utiliser de la fibre de verre pour avoir des blancs un peu faciles d'utilisation. Plutôt, on va dire débutant en fait, qui va sortir dans débutant. C'est avec des cannes qui sortent à des prix bas, voilà, chez Decathlon. Avec des prix assez bas. Moins de 40 euros. Ouais, même ouais. Moins de 30 euros. Moins de 30 euros, donc ouais. Ouais, ça c'est déjà très bien. Ouais. Ouais. Voilà. D'accord. Ouais. Bon, on a vu la gamme 900 qu'on a découvert. Ouais. Donc là, j'étais avec Thibaut dans l'atelier Moulinet. Ouais. Donc il me parlait des castings qui sont des tuyaux. Ouais. Et moi, j'aimerais savoir un petit peu plus au niveau des cannes casting, où c'est que vous en êtes, hein. Est-ce qu'il y a des produits qui vont arriver ? D'accord. Ouais. Et là, on est sur un combo à combien, là, juste pour que les gens se rendent compte un petit peu à ce qu'il existe actuellement ? Le combo, c'est une bonne question. On va sortir, à confirmer, mais on va sortir entre 150 et 200 euros, je pense. Entre 150 et 200 euros avec le moulinet. Ouais. Voilà. Le moulinet, c'est quoi ? Alors, le moulinet, ça va être Wixom 300. Donc, celui-là, il n'est pas en rayon encore. Alors, si là, tu peux déjà le retrouver. Ouais. Ouais, tout à donc, fait. Ça, c'est Wixom 300. Donc, c'est un 300. Oui. Donc, c'est bien pour pêcher le brochet. Voilà, c'est ça. Donc, là, on va avoir la capacité de jeter des gros leurres avec celui-là. Ouais. Sans beau, souci. Il est très beau. Ouais. Très, très beau. Alors, vu qu'on n'a pas de chance, parce que l'atelier est donc montage, crash test des cannes est en travaux. Maël, on aurait pu voir dans cet atelier en fait le montage des cannes, le montage des anneaux, tout ça, c'est toi qui fais ou qui participe ou c'est toi qui fais ? Ouais, alors pendant le développement en fait, on va faire dans ce qu'on appelle des prototypes où on va essayer plusieurs anneaux différents, plusieurs positions pour définir en fait la bonne position des anneaux de la rampe d'anneaux qu'on va utiliser pour avoir des bonnes performances au lancer, une bonne sensibilité de la canne et avoir la meilleure courbure du blanc possible en fonction de la position de ces anneaux. Ouais. D'accord. Vous utilisez quel type d'anneau ? Alors, ça dépend. Si vous montez en gamme ? Si on monte en gamme, on va choisir quasiment systématiquement du Fuji. Fuji. Voilà, et après sur des céramiques, alors nous on utilise plutôt l'alconite. Ouais. Voilà, pour ceux qui s'en parlera. Ouais. Voilà, sur nos tops de gamme, c'est ce qui est utilisé. C'est un très bon compromis pour la tresse et pour le prix du produit final pour nos utilisateurs. Et après, il y a un projet pour plus tard. Dis-moi. Oui, tout à fait. Bah, du coup, là, on est en train de travailler sur une gamme de cannes à casting monobrin, plutôt typée pour le black bass. Voilà, c'est encore en cours de développement et ça devrait arriver en fonction de l'avancement, d'ici un an, deux ans, on verra. Ouais, ça c'est très intéressant à savoir. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Bon, mais écoute, c'est super, Maël. Je te remercie en tout cas. Merci à toi. Salut Julien. Salut. Alors là, je suis avec Julien. Donc toi, Julien, qu'est-ce que tu fais ?
Écoute, je suis ingénieur produit sur les leurres. D'accord. Donc, leurre dur, leurre métal, leurre souple. D'accord. Ça, c'est très intéressant. Ouais, ça fait 6 ans que je fais ça maintenant. Moi, j'adore les leurres. Chez Caperlan. Donc, toi aussi, t'as 5 années d'études après le bac? J'ai 5 années d'études après le bac. J'ai fait l'école des mines à Douai dans le Nord, parce que je suis originaire du Nord. D'accord. Et je suis arrivé dans la région pour travailler ici chez Caperlan. D'accord. Et puis je me suis plutôt bien fait, j'habite à Sanguinet, donc pas très loin, d'un chouette petit lac. Bon ben on se retrouve tout de suite, tu vas m'expliquer tout ça. Donc pour faire un produit chez Caperlan, on commence par un brief du chef de produit. Donc on a le chef de produit qui a un besoin, donc il identifie que des utilisateurs ont, besoin d'un shad qui fait X centimètres, qui a telle ou telle action. Donc on part de ça, et avec l'équipe de designers, on va venir dégrossir des formes, en fait on va analyser ce qui apporte du rolling à un leurre souple par exemple, ce qui apporte une vibration à un shatter, à un spinner, à une lame. Donc on va venir analyser ça, et donc on fait un gros bench de ce qui apporte telle ou telle action à un leurre. Et une fois qu'on a fait ça, le designer il va commencer à faire des premières 3D, en fait des 3D un peu grossières qui ressemblent un peu à ça. Donc ça, pour les plus connaisseurs, c'est la première impression 3D du Rogen. Donc on l'a fait ici dans les impressions 3D, dans les imprimantes 3D, pardon. Et donc avec ces imprimantes, ça nous permet d'avoir des formes. Donc on l'a fait sur le Rogen, on l'a fait sur les frogs là, qui sont en magasin, enfin qui commencent à arriver en magasin. Là. Une fois qu'on a ces 3D là, sur les leurres souples, on peut venir faire des moules silicone qu'on va venir couler autour des leurres. Donc ça c'est le moule silicone du Rogen 12 cm. Donc on va venir faire un moule silicone, et là avec du plastisol, tout ce qui peut exister en craft sur les leurres souples, on va faire des premiers protos avec ça. Donc on vient tester différentes matières, différentes duretés de matière. Donc ça nous permet de dégrossir la forme. Une fois qu'on a ça, on commence à avoir des idées sur la dureté de la matière qu'il va nous falloir, notamment sur les leurres souples. Et là on va faire des tests avec la matière des fournisseurs, qui est la matière qui sera utilisée en production. Et donc une fois qu'on a ça, les fournisseurs nous envoient les protos, on les teste ici au bassin ou carrément à la pêche sur les grands lacs. De l'heure là que j'ai, tu as les frogs et les lames, mais je vais y venir après. Donc les frogs, tu vois, on a fait différentes impressions 3D. Donc là, c'est vraiment gros, tu peux voir sur... c'est grossier, tu vois, donc c'est vraiment ce que je t'ai dit. Quelle matière là? Ça c'est du PU, je crois, de mémoire. Ouais. C'est Greg qui a imprimé ça chez lui. C'est des moules de rotomoulage. Et on vient dégrossir, tu vois, là, on s'est rendu compte que l'inclinaison des hameçons n'était pas bonne parce que ils étaient un peu trop en l'air, ça fitait pas trop au corps. Donc on est venu changer ça, ils nous ont fait un autre moule proto. Donc là, cette fois-ci, tu vois, les hameçons sont plus horizontaux sur le leurre. Du plastique, on vient aussi travailler là-dessus. Ça, c'est important. Ouais, important. Ah, ouais. La dureté du PVC. Et on vient tester plusieurs choses. Là, tu vois, tu avais différents types de poids. Donc là, tu vois, tu as un poids qui était à 3,8. Là, tu as un poids qu'on est venu customiser avec une petite patte tungstène, tu vois, pour venir changer l'action du leurre. Donc, mais le tungstène, il nous permet vraiment de venir prototyper assez rapidement, en fait. Tu sais, il y a les pattes de tungstène des carpistes, là. On vient faire des petites boules d'un gramme, 0,5, et on vient les coller en fonction sur les leurres, plus à l'avant, plus à l'arrière. Et donc, ça nous permet de trouver le bon équilibrage des leurres. Donc là, tu as bonne idée de la... Là, tu vas me présenter les lames. J'ai cru entendre que tu étais un pêcheur de perche, un peu. Un petit peu, oui. Donc, j'en ai pas trop pris cette année, ça va. Ouais. Donc là, on a fait des lames pour pêcher la perche et le sandre, plutôt. Donc tu vois, ça va de 7 à 14 grammes. Et donc là, tu as une petite palette de couleurs. Donc tu vois, on a essayé de faire des couleurs qui vont à peu près dans toutes les situations. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Et donc voilà. Donc là, même principe, tu vois, on est venu faire découper des lames des tôles d'acier. Pour venir trouver les formes qui apportent telle ou telle action. Tu vois, il y avait des formes qui apportaient une action plutôt ample, d'autres une action plutôt serrée, d'autres qui ne fonctionnaient pas du tout. Et donc on est venu tester ça, tu vois, on a découpé des petits morceaux de plomb pour venir le coller sur les tôles. C'est quelque chose qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des leurres qui vont un peu à tout type de pêcheur, que ce soit la personne qui débute ou la personne qui commence vraiment à être technique. Donc, moi je pêche plus qu'avec ces lames-là. On a pas mal pêché avec la Perche Pro cette année avec Damien, donc des beaux résultats avec. Des beaux résultats. Ouais. Donc là, on est dans l'atelier où il y a les imprimantes 3D. Yes, on a 3 imprimantes 3D ici. Ça nous permet de faire tout ce qui est impression à partir de déposes de fil, comme tu peux voir là.
Et on a un autre atelier à Lille, donc là qui est Global Decathlon. D'accord. Qui va vraiment avoir des process d'impression hyper précis. On peut venir faire différentes duretés, des couleurs, des impressions résine. Enfin, on peut venir faire énormément de choses et ça nous permet de gagner pas mal de temps dans les deux. Une fois que tu as donc conçu ton leurre via l'imprimante, donc comme tu me disais tout à l'heure, après, tu m'as fait voir des moules. Ouais. Donc là, Julien, on est dans l'atelier où tu vas, à base de silicone et des moules que tu m'as fait voir, une fois que les leurres sont dégrossis, enfin, une fois que le prototype de leurre est fait à l'imprimante, on vient ici, c'est un petit atelier, c'est qu'en fait, tu vas faire cuire dans le moule ce silicone pour sortir le fameux monstre qui va faire qu'après, ça va être le leurre. C'est ça, on vient faire tout ce qui est monstre ici. Voilà. Donc, tu peux déjà aller tester le leurre de suite dans l'état à côté. Ouais, c'est ça. Et une fois que le monstre est fini, il est bon. Ouais. Donc en fait, après, tu le dégrossis d'une certaine façon. Il y a une équipe qui fait ça. Une fois que le monstre est, on va dire, validé, que l'action de nage est validée, le designer, il va repartir de sa 3D du monstre. Il va venir l'habiller. L'habiller. Avec les yeux. Les couleurs. Les couleurs, ça vient vraiment après. Ça vient, ouais. On vient travailler ça après. Ça. Et après, on va envoyer cette 3D à notre fournisseur. Ouais. Lui, il va faire un moule proto là-dessus. Il va faire quelques injections avec la dureté que je vais lui avoir donnée, basée sur les protos qu'on a fait ici. Et il va nous renvoyer ça, on va vérifier que ça, c'est conforme à l'action qu'on avait sur le monstre. On travaille les couleurs. Vous sortez le leurre. On sort le leurre, lui il va le fabriquer en fait, selon nos exigences. Vos exigences. Donc on a des exigences spécifiques que les distributeurs n'ont pas. Donc sur la dureté on vient mettre des choses, sur la résistance de la peinture on vient mettre des choses, bref ça... On a énormément de critères. Déjà deux. En fait, on a fait un spécial make-up avec un partenaire Biwa l'année dernière. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les Glide Beasts que tu as en magasin chez Decathlon, les couleurs, tu peux les retrouver que chez Decathlon. Pour 2025 maintenant. Donc ça va arriver quand même. Ouais, oui, ça va arriver. Merci beaucoup, Julien. Eh bien, avec plaisir.